permet aussi, monsieur le ministre, madame la ministre, de vous accueillir par un mot tout à fait chaleureux de reconnaissance d'abord pour ce déplacement, de respect pour le travail que vous conduisez. C'est important que de diriger la maison de l'éducation nationale dans la République française. C'est un challenge de tous les jours, c'est un défi permanent. Je voudrais saluer bien sûr le député, le sénateur, les collègues élus, monsieur le préfet, madame la rectrice et l'ensemble des partenaires économiques et socio-éducatifs qui sont là. Le défi qui est posé à la région Lorraine, comme à beaucoup d'autres régions, c'est celle d'amener la qualité des outils de formation et la pertinence des outils de formation au défi du 21e siècle. Et pour nous, en région Lorraine, ça a du sens. Comment reconquérir des positions dans la compétition mondiale du 21e siècle? Comment reprendre cette position en offrant à nos territoires, à nos jeunes, une qualité de la formation, mais aussi une formation qui répond aux objectifs de reconquête industrielle de l'emploi? C'est pour cela que les entreprises sont là. C'est la priorité numéro un de l'éducation nationale en France, mais c'est celle aussi que nous portons dans cette région. Donc, bonne visite, bon travail. L'agenda de votre journée est très très lourd, donc je vais m'arrêter là, en vous remerciant en tout cas de vous être arrêté ici à Talange. On se retrouvera aussi cet après-midi, d'ailleurs à Pont-à-Mousson, dans d'autres établissements de l'éducation nationale situés en région Lorraine. Merci à vous.